État d'avancement de la planification. Dans cette version 8.10, nous avons entièrement refondu l'interface de consultation de la fabrication et plus précisément de l'état d'avancement par affaires, commandes, clients et ateliers qui sont plus macro qu'à l'ordre de fabrication lui-même. On a trois types d'indicateurs, conformes, alertes et retards. Conforme, tout se passe bien, tous les ordres de fabrication constituant une affaire sont dans les temps et l'affaire sera livrée à l'heure. Alerte, l'affaire sera livrée à l'heure mais au moins l'un de ses constituants est en retard par rapport au planning. Il faut donc être vigilant pour que le retard n'entraîne pas une livraison tardive de l'affaire. Retard, au moins un ordre de fabrication ne permet pas de respecter la date de livraison de l'affaire. Pour chacune de ces affaires, on peut voir donc l'état d'avancement de l'ensemble des EF qui la constituent, possibilité d'indiquer un commentaire, par exemple ici sur cette affaire en retard, il a été noté que le client avait été prévenu et qu'un nouveau délai sera négocié. Il est possible de voir dans le contenu d'une affaire l'ensemble des EF qui la composent et l'avancement de chacun de ces EF. On peut avoir aussi la visu par commande, par client, par atelier, et les autres OF n'entrent dans aucune de ces catégories. Sur la partie droite de l'écran, vous allez retrouver un ensemble de tableaux de bord. Ces tableaux de bord indiquent pour celui-ci l'avance-retard en nombre de commandes ou nombre d'affaires. Une affaire conforme, une affaire en alerte, une affaire en retard. Un second indicateur fournit les mêmes éléments, mais en termes de volume d'heures dans chacune des affaires. On voit ici que bien qu'on a une affaire dans chaque statut, l'affaire conforme ne représente que 15 heures par rapport aux 193 heures du retard. On a la même chose en termes de coût. Le conforme ne représente que 3000 euros, le retard représente lui un peu plus de 27 000. On a également donc le taux de service qui nous indique le nombre d'affaires livrables, soit avec une semaine de retard, deux semaines, trois semaines et plus de 4 semaines de retard. Et ensuite un graphique plus synthétique sur la livrabilité qui indique par exemple que sur les coûts, 39% des coûts sont en retard, 57% sont en alerte et 4% sont conformes. Même chose pour les heures et le nombre de dossiers.